Dis papy, c'est quoi que t'écoutes comme musique? Ça, ma chérie, c'est la plus belle et la plus grande des musiques, le swing. Le swing? C'est quoi? Oula, c'est une très longue histoire, tu sais. Elle a débuté au début du siècle dernier. Les noirs américains qu'on avait déportés en Amérique pour servir d'esclaves, tu as bien étudié ça, l'histoire. Bah oui, pourquoi? Eh bien, à cette époque, ils ont commencé à prendre des instruments des blancs, les trompettes, leurs banjos, leurs guitares, et cela leur a permis de faire évoluer leur musique. C'était l'époque du New Orleans, du ragtime et du charleston. Tu as peut-être déjà entendu parler du charleston. Ah oui, il n'y avait pas une dame noire qui dansait avec des bananes autour de la taille? C'est ça, Joséphine Baker. Ah, la belle Joséphine dans la revue nègre. Et attends, ce ne sont là que les débuts. Après, les musiciens se sont regroupés en big band, des orchestres de 15 à 20 musiciens. À Harlem, on a vu naître des dancing et des cabarets comme le Savoy et le Cotton Club. C'est là qu'on retrouvait tous les grands noms du swing, Duke Ellington, Cab Calloway et la Fitzgerald. Et c'est là aussi que les Noirs ont commencé à danser. Ils se laissaient porter par la musique, leur musique. Ils inventaient des pas, c'était à qui en ferait le plus. Et c'est comme ça que le Lindy Hop est né. Il y a même des artistes comme les Andrew Schuster qui allaient remonter le moral des troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle donnait de l'espoir aux militaires qui se laissaient aller à des pas endiablés, oubliant pour quelques instants la triste réalité de la guerre. I was a mother.
aussi, ma chérie, mais sur les petits Dumoulin. À la fin de la guerre, les Américains ont débarqué en France. Ils nous ont apporté leur nouvelle musique et leur nouvelle danse dans les années 50. Tu ne devines pas ce que c'était? Je sais pas, moi. Papa, il faisait ça, c'est le rock quand j'étais petite. C'est ça? Oui, enfin, pas tout de suite. Il y a d'abord eu le bebop qui s'est développé dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, mais aussi à Marseille et à Lyon. Et tu as raison, c'est le rock qui a vraiment pris en France. La musique rock vient tout droit du swing dont on parlait tout à l'heure. Chez nous, elle a marqué toute une génération de jeunes révoltés. Ils avaient un style bien à eux, tu sais, blouson noir, banane sur la tête. Mais tiens, c'est pas ton père qui arrive là? Si vous me faisiez le petit démo. Toutes ces danses ont été codifiées dans les écoles de danse. Du coup, vous trouvez bien évidemment les cours de rock, mais aussi de lundi, de charleston, de valbois. Ce sont d'autres danses swing qu'on a découvertes petit à petit. Tu sais, la plupart des danses et des musiques actuelles descendent de beaucoup du swing et du lundi. Aujourd'hui, le lundi est une danse qui évolue. On voit naître de nouveaux styles plus modernes, ce qui a fait sa richesse. Et puis les troupes de danseurs qui existent un peu partout dans le monde. Comme les Harlem Onchot en Suède ou les Fous de Swing à Paris. Ils proposent des spectacles pour que les gens redécouvrent la magie du swing. Tiens d'ailleurs, j'ai deux places pour Copacabana. C'est le nouveau spectacle des Kimmy Stompers. Tu veux venir avec moi? Bah ouais, j'ai... Ladies and gentlemen, it's showtime at the Copacabana!